Oui, ici. Je suis pour prendre des pincettes maintenant. Ça, les administrations maintenant, je suis leur humain. Ah, je suis le. Je m'en fous complètement, tu vois. Donc, je suis capable de répondre très calmement, mais monsieur, je vous emmerde. Mais vous en faites une papillote et vous vous le mettez dans le cul, c'est tout, hein. Enfin, la plupart des choses que je raconte là devant toi, c'est très perso, quoi. Mais je m'en fous, tu vois. Parce que je me dis que dans cette histoire, c'est justement parce que c'est perso que ça peut avoir quelque intéressant. Je ne prétends pas être un philosophe du cinéma. Non, je prétends simplement être un témoin, un voyageur de ce truc-là, c'est tout, quoi. Donc, ben oui, ben, je parle beaucoup de moi, mais ben, tant pis. Après l'école, quoi. Oui, on est venu me chercher pour travailler. Voilà, oui. Alors, d'abord, ça m'amuse sur l'image que les autres pouvaient avoir de moi, puisque on demande un bon élève sage. Moi, ça ne me paraît pas tellement correspondre à mon image, mais bon, un bon élève, oui. J'étais quand même plus fort que plusieurs de mes professeurs, ce qui n'était pas difficile. Oui, apparemment, oui, Oui. c'était le. Hein? Oui, l'enseignement était un petit peu léger. Un petit peu léger. Bon, mais donc je me suis retrouvé dans cette boîte à faire un petit peu tout, tu vois. Alors quand il y avait rien à faire, et ben on faisait coller des étiquettes, on faisait faire le café, on faisait balayer, on faisait des trucs comme ça. Mais autrement, quand il y avait du boulot, donc on a fait des films, et ben alors c'était le contraire, je faisais tout. Puisqu'on avait une caméra américaine en 16 mm qui enregistrait directement le son, ça existait, les gens ne savaient peut-être Oui, pas. déjà, ouais. Directement le son, c'était pas une Tonaland, c'était une Oricon. Et c'était un truc pour l'enseignement de la langue française aux Américains. D'accord. Hein? Donc il y avait un coproducteur américain, c'était donc sous-traité. Voilà. Et c'était des films avec des acteurs Oui. français. C'était avec des acteurs français, ça m'amuse bien. Il y avait mon oncle et ma nièce. Je me souviens par exemple on était à Caen, sur les remparts là, et mon oncle dit, regarde comme c'est magnifique, il y a l'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames, tu connais à Caen, hein? Voilà. Et ce sont deux monuments. Roman. Et là, il y a ma nièce qui répond, en effet, d'ailleurs, toute la ville est romanesque. Bon, quand même, moi je vais voir le metteur. Et puis je lui dis, mais quand même, il y a un petit truc qui gêne, voilà. Ben, c'est resté comme ça. Hein. Voilà, donc c'était ça. Je me souviens d'une autre histoire dans cette affaire-là, c'est que, ah oui, il y avait tellement de boulot parce que je conduisais le camion. Avec le groupe électrogène, tout, je faisais trop de choses, donc je faisais trop. Une fois, j'ai fait une bêtise, j'ai mal mis le couloir de la caméra. Donc, quand on a vu le résultat, tout était à faire. Il a fallu refaire une scène entière. Voilà. Donc, j'ai eu immédiatement une lettre recommandée du producteur qui m'a dit, mon cher Paul, vous êtes foutu à la porte. Voilà. Voilà, tout de suite. Et alors, moi, j'étais quand même assez navré, donc je me suis assis sur un caillou. Et puis, il y a le producteur américain qui est passé et qui me dit, eh Paul, pourquoi tu fais la gueule? Alors, je lui ai tendu le papier, il a regardé le papier, il l'a mis dans sa poche, il m'a dit, t'occupes plus de ça. Moi, je m'en suis plus jamais occupé. Et là, ça faisait quoi, quelques mois que tu Oui, travaillais. oui, Oui, oui. mais tu étais tout juste, quoi. Tout, tout, Tout tout, tout frais. nouveau. Ouais. Et donc, tu étais donc assistant. Assistant, machiniste, électro. Et qui était le chef opérateur Alors, chef opérateur, c'était des gens qui passaient. Et c'est ça qui a été intéressant pour moi. C'est des gens qui passaient et des gens de la profession quand même. Je ne me souviens plus tous de leurs noms. Bon. Mais pratiquement tous, ils me disaient, parce qu'après, une fois qu'on a fait une journée de travail, ben, ils disent, ben, Paul, tiens, viens, t'as travaillé, on t'offre une bière. Donc, bavarder un petit peu. Et ils me disaient, alors comment ça se passe, combien tu gagnes, etc. Ils me disaient, mais écoute. Tu restes pas là-dedans, casse-toi, tu es en train de perdre ta jeunesse, etc. Donc tout le monde me disait, casse-toi. Tu perds ta jeunesse, mais en même temps, tu t'as un pied à l'étrier et tu te formes un peu. Eh ben oui, voilà. Et là, il y a quand même,
je gagnais vraiment pas grand chose, ouais. Alors que mon scooter consommait énormément. Donc c'était mon scooter consommait plus que mon salaire. Ouais, donc c'était une limite quoi. Ouais, donc soit fallait changer de métier, soit de scooter. Voilà. Donc là j'ai eu la chance de rencontrer Jean Rabier, qui était l'opérateur que je ne connaissais pas à l'époque, ouais. Et qui m'a dit mais Paul casse-toi, faut pas que tu restes là. Et puis quelques temps après, qui m'a proposé Cléo. Il était caméraman. Ouais. Paraît-il un pas très bon caméraman. Mm-hmm. Ben, c'est un type très créatif. Ouais. Et là. Oui, c'est jamais sûr de lui. Oui. C'est toujours l'image ouais. qu'il a donné. Que oui. Tu avais donné. Ouais. Et c'est pas un jugement définitif. Mais, bon, oui. Et donc il devait commencer le film avec Agnès Varda. Et ouais. Donc il fallait qu'il constitue une équipe. Mmh. Donc il avait un caméraman, c'était Alain Levent, qui était un type assez structuré et solide, mmh. Et il lui fallait un bon assistant. Mmh. Donc il s'est dit, je sais pas, bon, peu importe, c'est tombé sur moi. Ouais. Mais il fallait que je fasse le premier et le deuxième, et en plus, comme c'est un type créatif, il m'a tenu au téléphone pendant des heures en me disant, tu es sûr, tu te sens assez fort. Tu vois, j'ai envie de dire, mais enfin, écoute, moi j'ai fait une école de cinéma, c'est pas pour, je suis au bord de la piscine, c'est pas pour pas. Il va sauter dans l'eau, bien oui, sûr. Oui, 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 oui. Donc c'est comme ça, et je le remercie infiniment, même ouais. si je dis un peu du mal de lui, je le remercie oui, infiniment oui, oui, ouais. de m'être retrouvé sur le film Cléo de 5 à 7 de Daniel Varda. Je constate en réfléchissant là-dessus que c'est pas là-dessus que je veux dire le plus de choses parce que j'étais. J'étais pas un adolescent, mais quand même, je ressemblais à un adolescent. Tu vois d'où je viens, tu vois, vu un petit peu, comme un, tu vois, j'étais un campagnard, je n'ai pas raconté dans mon histoire, j'ai gardé les vaches, etc. Mmh. Et que j'ai découvert Paris comme une chose complètement surréaliste. Et donc, oui, j'étais quand même quelque part un adolescent, et en plus, j'avais un boulot fou. Et en plus, pressuré plutôt par Jean Rabier. Mmh. Qui voulait pas que je quitte la caméra de plus de 3 mètres, c'est ouais. précis. Ouais. 3 mètres, c'est-à-dire le cap d'alimentation d'une machine à café, hein, tu vois. En fin de compte, son manque de confiance en lui était. Donc il voulait que je reste là. Ouais. Je me souviens que c'est les machinistes qui étaient obligés d'aller chercher les valises et les trucs pour aller chercher au camion pour me les ramener à moi. Et j'avais un travail fou et excessif. Et d'autre part, moi, j'étais pas sûr de moi. Et puis j'étais dans une admiration. De me retrouver là, je n'en revenais pas, de me retrouver avec Agnès Varda, qui était déjà célèbre à l'époque, donc je n'en revenais pas, donc j'avais vraiment le nez sur le guidon, et j'ai des souvenirs, bien sûr, des images, mais techniquement, je n'ai pas vu le travail, si j'ai entendu un petit peu Michel Legrand au piano, Tu veux dire, tu n'as pas vu le travail de la mise en scène. De la mise en scène. Ouais. Le scénario, maintenant, je sais que c'est une histoire de cancer. Ouais, ouais. Ce qui pourrait me faire rire maintenant, puisque j'ai le cancer moi aussi, tu vois. Eh bien, c'était pas mon problème. C'était, toi, j'en avais rien à foutre de ce scénario. Moi, j'étais sur faire tourner mon espèce de caméra. Qui avait, en plus, Agnès avait cette manie, que je trouve d'ailleurs pas très heureuse, d'utiliser plusieurs pellicules. En s'imaginant que c'est ça, moi je trouve ça sans intérêt. Bon, c'est-à-dire, suivant les plans, elle... Pas suivant les plans, c'était suivant les moments du film. Il y avait des choses en pellicule rapide, en pellicule moins rapide, et puis il y avait en plus de la Kodak et de l'Agfa, si je me souviens bien. Il y a de la couleur et de la noir et blanc aussi. Et en plus, il y avait plus, la couleur, il y a une scène. Il y a une scène. Il y a la scène des cartes. Voilà. Ça ne complique pas beaucoup. Oui, oui, oui. Mais quand même, avoir deux caméras, quatre émulsions, ça fait 8, hein, 2 fois 4, ça fait 8. Tu imagines le nombre de magasins, le travail qu'il faut, etc. Faire des essais à tous les plans, c'est déraisonnable. Et pourquoi elle faisait ça? Je ne sais pas bien. Parce que, il y avait automatiquement quelque chose... que je pense qu'elle était issue de la photographie elle-même. Oui, c'est vrai. Donc elle devait s'intéresser quand même à... Elle devait elle-même avoir l'habitude de changer entre de la Kodak ou de l'Ilford. Voilà. Ouais. Une histoire comme ça. Sinon, moi, je trouve ça un petit peu déraisonnable. Voilà. Non, ce qui...
Oui, bon, alors très amical, puisqu'il y a quelques, il y a très peu de temps, de ça, il y a, ça fait 60 ans qu'on a tourné, non pas tout à fait, ça fait 50 ans qu'on a tourné ça. Oui, 60, ça fait 50 ans, il y a quelques années je lui ai téléphoné à propos des droits justement d'auteur, des histoires comme ça, et je lui ai dit, Agnès, bonjour, je m'appelle Paul Bonis, est-ce que tu te souviens que j'étais assistant sur Cléo de 5 à 7 ? Le petit Paul, mais bien sûr, etc. C'était, j'étais très flatté, il se souvenait parfaitement de ma taille. c'était l'hiver, me semble. Ophélia, j'avais compris que c'était une histoire de Shakespeare, mais c'est tout. J'étais encore, c'était l'époque, encore l'année dans le guidon, où je n'étais pas encore... conscient d'essayer de regarder un petit peu autour de moi comment se faisaient les choses. Mais si, c'est quand même le début où j'ai commencé à regarder quand même, puisque c'était, comment il s'appelle, Serval, Michel, non Claude Serval. Et il y avait Alida Valli aussi, qui était une femme assez impressionnante. Oui, oui. Alida Valli, donc j'ai commencé à regarder les comédiens, puisque je m'en souviens. Et là... je me souviens de cette scène, enfin je me souviens de deux scènes avec Serval, une dans la forêt, avec les grandes futaies, où il hurlait un texte de, je suppose, de Shakespeare, des rats dans les arbres, etc. Donc, je me souviens, c'était assez beau, ces hurlements dans la futaie. Bon. Et puis un peu plus tard, et je ne sais pas pour quelle raison, il était en train de mourir. Et donc il était en train de mourir devant cette grosse caméra, et je ne sais plus quelle focale on avait mis, mais il était vraiment pas loin de moi. Et puis en plus, le bouton de mise au point, il est sur le côté. Donc j'étais comme ça. Et lui, son visage était là. Oui. Son visage était là. Et moi, j'étais un petit peu entre les deux. Et en plus, c'est la position que l'on prend pour être estimé une distance. Toi, tu ne veux pas te mettre derrière. Tu dois te mettre sur le côté. Oui. Tu vois beaucoup mieux comme ça. Et il faut savoir qu'il faut être assez précis, surtout si... ton chef opérateur t'a mis un diaph assez, assez bas. Puis le plan est gros en plus. Il faut quand même, avec le 75, il faut être précis. Et déjà, je m'entraînais. On s'entraîne quand, quand on est assistant. On se fait des paris. Par exemple, tu te dis, tiens, je parie que... mais je n'ai pas de mètre ici. Je parie que cet objet est à 67 cm. Et puis tu mesures, puis tu le trouves. Voilà. Et au bout de quelques années, tu finis par être une précision diabolique. Voilà. Donc, de la même façon, je me retrouvais avec Serval en train de mourir. Et d'un seul coup, j'ai pris conscience que ce comédien était en train de jouer la mort, qui ne devait pas mourir réellement, bien sûr. Donc, ça demande un effort. Et j'étais extrêmement ennuyé d'être là, en me disant, mais ça, je dois l'emmerder, je dois le gêner, mon regard. Alors tu regardes, tu essayes d'avoir un petit regard de travers, quoi, juste comme ça. Et c'était ma première conscience, si tu veux, de la responsabilité du regard et de la caméra par rapport au sujet. Hein, ce que disent certains philosophes, c'est que le regard modifie le... modifie la réalité. Oui, voilà. Oui, oui. Alors, c'est pas... là, on est dans le cinéma, d'accord. Oui, mais quand même, il y a un peu de ça. Oui. Voilà. Et ça m'a paru très intéressant. Et bien sûr, après, j'ai appris assez rapidement, comme on le fait dans j'imagine, les infirmières en médecine, toi, d'être, de savoir être un peu transparent, de savoir être... ou la pudeur. Oui, là, tu te sentais presque, une présence impudique. Tout à fait. Tout à fait impudique. D'autant plus que, en plus, moi, c'est une réflexion que j'ai depuis longtemps sur le problème de la pudeur. Et parce que, est-ce que la pudeur vient de celui qui regarde ou elle vient de celui qui est regardé? C'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on avait vu, on avait eu un projet de court-métrage avec Pierre Zucca un petit peu sur ça, c'est-à-dire Suzanne et les vieillards, qui est cette scène de la Bible, tu vois, qui Suzanne va se déshabiller pour se laver dans la rivière, elle se rend compte qu'elle est regardée, pas par des vieillards, parce que moi, c'est une traduction qui est mauvaise, elle est regardée par des hommes,
Et à ce moment-là, elle s'est dit, il y a des hommes qui me regardent, et elle continue quand même à se déshabiller, et là, la pudeur est renversée, enfin, on n'est plus du tout dans le même schéma. Voilà. Et bon, ben là, je suis un petit peu cette chose-là. Oui, et puis alors il y a l'autre histoire dans ce film-là, c'est l'histoire quand j'ai fait une connerie. Oui. Alors ça c'est aussi très intéressant et ça a été fondamental vraiment pour ma carrière. Donc là t'étais avec Jean Rabier, Chabrol, Jean Rabier. C'est parfois difficile à expliquer parce que je ne déteste pas Jean Rabier, pas plus que d'autres. Je refuse de détester d'ailleurs moi. Mais j'ai le droit. C'est un bon parti. Mais je me donne le droit de dire ce jour-là quel compte. Voilà, c'est tout. Ouais. Bon. Et donc, il avait toujours peur que je fasse des trucs, donc il voulait que je mette le diaphragme au dernier moment. C'est-à-dire, moteur, ça tourne, pouf, 2-8. Hop, et puis c'est parti. Et moi, c'était pas du tout mon habitude. Donc, quand il m'a obligé à faire ça, eh bien, une fois, j'ai oublié. Et donc, à la fin du tournage, à la fin de la prise, tout confus, j'ai levé le doigt en disant « Excusez-moi, chers amis, il faut refaire cette scène parce que je me suis planté, etc. » C'est pas facile à dire, tu sais, sur un plateau où, à l'école de cinéma, on t'apprend quelques trucs intéressants, on t'apprend quelques conneries aussi, ou en particulier que c'est un métier où dès que tu fais une erreur, tu ne retravailleras plus jamais de ta vie. Alors je hurle à tous les jeunes gens qui veulent faire du cinéma, ne vous inquiétez pas de ça, on peut très bien faire des conneries, comme ailleurs, et c'est des cons de dire ça à des jeunes. C'est la meilleure façon pour qu'ils en rajoutent encore plus dans la connerie, puisque, bien sûr, si tu as peur, tu vas tomber dans le trou, quoi. Il n'y avait presque que le comédien qui avait le droit de faire des erreurs. Quand vous refaisiez une scène, c'était très souvent... Pour quelle raison? Parce que le comédien oubliait son texte? Oui, le mouvement a été mal fait, les vitesses n'ont pas correspondu entre travelling et voilà. Il peut y avoir beaucoup de raisons. Mais c'est souvent le comédien qui s'est trompé de texte, ou alors qui trouve qu'il n'a pas été bon et qui souhaite en faire une autre. Ouais. Ou bien c'est le metteur en scène qui trouve que le comédien n'a pas été bon, et à ce moment-là, bien sûr, il lui dit « Tu as été magnifique, mais je préférerais qu'on en fasse une un peu différente. » Refaire cette scène, etc. Et Jean Rabier me prend la tête en me traitant mais de tous les noms. Petit con, et puis tu nous bluffes en nous parlant de la musique de Mozart, etc. Pour qui tu te prends alors que tu n'es pas capable de faire ce que ton travail. Enfin, c'était une cruauté honteuse. Donc les autres avaient honte, j'en suis persuadé, de ce que disait Rabier. Ouais. Et l'ont détesté, si tu veux. Donc, bon, voilà. Alors voilà, tout confus. Bon, et on recommence. Alors Chabrol, bien sûr, lui se marre un peu et dit, allez les enfants, on en refait une, c'est pas grave. Voilà. Et on redémarre, et là, je re-oublie. Forcément, il m'avait tué. C'est de sa faute, il m'avait tué, j'étais obligé. Donc... Oui, je me suis mis à pleurer en leur disant, il faut encore en refaire une, ça va pas. Et alors là, tout le monde se marrait. Je suppose que Rabier avait l'air d'un con plutôt, parce qu'ils ont bien dû se rendre compte qu'ils avaient fait une bêtise. Quoi. Ouais. Et alors, ils étaient au moins 8 à venir voir comment je faisais. Bon, et puis c'est tout, puis ça s'est bien passé, puis on a fini la journée comme ça, ça n'a pas été plus grave. Sauf que le soir, Claude Chabrol est venu me voir, je me souviens, et j'avais une aronde, dire, toi, c'était pas des voitures j'avais une aronde, et là, il s'approche de moi, j'étais garé à côté de sa Mercedes, je baisse ma vitre, et il me dit, mais mon cher Paul, ce film, il vaut à peu près 600 millions, c'est à peu près son budget, ou un budget moyen d'un film français, ça ne vaut pas le prix d'une seule de tes larmes. Ouais.
J'ai des objets comme ça assez rares et étonnants, ce qui fait que je montre tout à mes deux petits là. Alors j'en montre des trucs très jolis qui les intéressent beaucoup. Mais dès qu'ils veulent la main dessus, je leur dis « Ah non, 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 faut pas toucher !» Parce qu'il n'y a pas du tout, quoi. Ah oui, et ça c'est quoi ça? Mais je vais te le faire voir, parce que ça, c'est un très bel objet. Il y a des gens qui font ça, moi j'admire, quoi. J'admire, c'est un objet d'art, quoi. Avec les petites chaussures. C'est un objet d'art ouais. Magnifique, voilà. Il va s'arrêter tout seul, lui, ça, c'est pas de problème. Dans le boucher. Alors d'abord, j'avais déjà pris quelques leçons. C'est que Chabrol, il choisit toujours un lieu unique. Ça, c'est très important pour lui. Mmh. Il a toujours fait ça jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il est, il a bien raison. Il a bien raison. C'est pas la peine d'aller jusque reparler du théâtre qui est un lieu unique, mais le cinéma aussi, il n'a pas envie de changer d'hôtel tous les jours, mmh. Et c'est pas un problème de confort, mmh. C'est un problème de logique aussi, d'une action. Moi, je trouve ça tellement intéressant de se retrouver dans un lieu, dans un village, où il y a un état d'esprit, où il y a des montagnes, où il y a des rivières, et donc ça finit par faire le lieu de ce théâtre-là. Oui, je trouve ça tellement intelligent et normal. Et quand on dit que Chabrol, il choisit un truc en fonction de l'hôtel et du restaurant, il laisse dire ça, hein, parce que ça lui rend service. Parce qu'après, les journalistes sont ravis, les maîtres d'hôtel sont ravis et lui offrent le pinard qu'il ne paye plus. Mm-hmm. Mais c'est faux. Son but, c'est pas de bouffer. Son but, c'est de se retrouver dans un endroit où on finit par connaître un petit peu des gens. Alors on n'est pas, au bout de quelques temps, et très vite, pour des raisons de tous ordres, on a besoin des gens, donc on connaît des transporteurs, on connaît des loueurs de meubles pour équiper les choses, on connaît des acteurs secondaires, parce que tout le monde ne vient pas de Paris, on connaît l'administration, et puis il y a tout, et puis il y a le sexe, donc on finit par connaître pas mal de monde. Et c'est vrai que dans la notion, comme tu dis, la notion théâtrale du film, c'est vrai qu'il y a les plans sont assez longs, oui. comme si on était dans une salle de théâtre, et en même temps il y a peu de scènes. Je veux dire, la scène du mariage dure pratiquement un quart d'heure, quelques scènes de rue, il y a des scènes soit dans la classe, soit dans l'appartement de Stéphane Audran, et il y a la scène avec la cueillette des champignons avec le cadeau du briquet, oui. qui dure un bon quart d'heure. Et le sang. Et puis la scène voilà, de la classe qui est en sortie avec le sang qui tombe. Donc ce qui fait que oui, on est dans une notion assez théâtrale, avec peu de scènes. Oui, oui. On est caméra qui bouge un peu, mais des plans assez longs, donc effectivement, on a une notion de spectateur comme dans un théâtre. Et ça change. Tout le cinéma n'était pas comme ça à l'époque, mais ça change terriblement du cinéma qu'on a actuellement, où là, on des plans. C'est pour ça que je réagis encore, parce que moi, je suis resté un petit peu. Cette histoire de caméra qu'on prend et qu'on se coud, qu'on reste après, parce que quelqu'un parle. Alors, dès que quelqu'un parle, on fait un plan comme ça. Voilà. Et puis dès qu'il bouge, il bouge la tête, alors la caméra suit, etc. Mmh. Ça, c'est pas du tout l'idée de Claude. Ouais. Ouais. Et moi, je reste encore dans cette école-là, et
et je la défends. Je pense qu'il n'y a pas qu'un cinéma, mais enfin, c'est un cinéma que j'aime bien. Et aussi, Claude, ça le faisait rigoler. Par exemple, à l'époque, il commençait à y avoir des moyens techniques un peu chers qu'il n'utilisait pas, parce qu'il n'avait pas de sous. Mais on pouvait avoir des rails de travelling courbes. Lui, ça faisait marrer. Ça peut servir pour des gens bourrés, quoi. Voilà. De même, les zooms, tu vois, ça n'intéressait pas. C'est un truc sur lequel j'adhère complètement aussi, c'est que la caméra n'est pas un comédien. Mm. Que des caméras, que des travelling simples. Mm. Et alors justement, ce plan en sortie de mariage, qui est quand même assez important dans l'histoire du film, et important aussi pour toi, dans la façon de... Oui, parce que j'ai commencé à bien voir les choses, et alors aussi, il y a l'aspect Jean Rabier. Jean Rabier était lent, mais ça lui plaisait, je pense, à Claude. Et puis, il aimait beaucoup Jean Rabier. Il a le droit. Donc ça, je respecte complètement, et même j'admire. Donc, il disait dans des choses magnifiques, Jean Rabier disait, quand je rentre sur un plateau, s'il n'y a pas Jean Rabier, je ressors. C'est magnifique. C'est un très bon caméraman. Et puis, c'est un type qui avait... beaucoup d'esprit, et donc on ne pouvait pas trop lui envoyer des vannes, parce que si tu veux, tu reprenais une balle de fond de cour qui allait plus vite que celle que tu avais envoyée. Tu vois. Ouais. Donc il se méfiait beaucoup. Donc il y a eu des trucs très, très gaguesques, tu vois, où un jour, la caméra recule, etc. Et lui, avec son cul, il fait tomber une potiche. Bon. Jean Rabier Claude Zidi. Claude Zidi, mais Claude Zidi était sur la caméra. Oui, d'accord. Donc, toi, tu ne peux pas engueuler un caméraman qui est sur sa caméra, avec son cul, il fait tomber une potiche. Bon. Et là, il s'est tourné vers moi en me disant Paul, t'as pas vu qu'il allait faire tomber la potiche, etc. Il m'engueule, moi, toi. Tout le monde se marrait, quoi. Ça, c'est des souvenirs, maintenant que je t'en parle, qui sont heureux. C'est marrant. Ouais. Enfin, c'est curieux, parce qu'il y a toute une psychologie qui se sent derrière. Ouais. Oui, et donc, Chabrol aussi, sa mise en scène, c'est pas de moyens compliqués. Il n'en voulait pas trop. Et donc, le matin, il y avait ce long temps, pendant le temps qu'on préparait l'éclairage, Jean préparait l'éclairage, et il parlait avec ses comédiens. Mais non seulement il parlait avec ses comédiens, mais aussi il jouait aux cartes, et il devait dire des autres bêtises, mais c'est quand même dans ce travail-là, je pense qu'il faisait un peu de sa mise en scène avec ses comédiens. Oui, qu'il se concentrait, qu'il... Voilà, et je crois qu'il aimait ce temps mort. Ouais. Voilà. Ce qui fait que, après, sur le tournage, il n'aimait pas faire beaucoup de plans, contrairement à... Il fait peu de plans, et dès qu'il a un plan qui lui plaît, il s'arrête. Ouais. Ça l'agace même après. Là, il veut bien en faire un autre pour la sécurité, mais tu vois, c'est pas un type qui va accumuler jusqu'à ce qu'il trouve la bonne chose, non. Dès que ça se satisfait, c'est tout. Donc c'est pour ça que j'ai dit que j'ai appris à travailler vite dans un tournage lent. Oui. Et aussi que enfin, se méfier quand même de l'erreur. Parce que bon, avec sa gentillesse. Tu risquais pas grand chose, mais tu lui faisais mal. Toi, c'est pas. Je me souviens d'un coup, par exemple, c'était Jean-Yann, justement, qui passait, qui faisait le tour, je ne sais pas comment, et moi, il faut que je suive au point, la distance, etc. Donc, moi, je fais mon coup, on fait le plan, et après, je dis, ce plan-là, c'est possible, mais j'aimerais bien qu'on en refasse un autre, parce que je pense que j'ai fait un petit flou quand Jean passe derrière la table. Et c'est des choses que peut faire un assistant opérateur, à condition de ne pas le faire à tous les plans, sinon on va vite l'acheter. Et donc, c'était juste tombé sur un plan qui plaisait bien à Claude, et Claude, donc, m'a envoyé chier,
Mais comme il ne voulait pas m'envoyer chier méchamment, parce que c'est pas son âme, et c'est pas, et puis vis-à-vis de moi, il ne faisait pas. Donc il m'a dit, mais tu sais, quand il passe derrière, c'est juste le moment où il hésite entre la... entre rester avec l'institutrice ou alors s'il rentre chez lui à la boucherie. Donc, si c'est un petit peu flou, c'est encore plus beau. Ouais. Ça m'a fait un peu mal parce que j'ai très, très bien compris, d'une part, qu'il foutait de ma gueule, d'autre part, qu'il le faisait gentiment, ce qui rendait les choses encore plus dures, et en plus que... Que le plan était intéressant, et donc j'avais tort dans un plan intéressant, effectivement, oui. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y a un petit moment... Un petit oui, si c'est... Oui, voilà. Oui, c'est... Voilà, donc c'est une leçon, quoi. Mm. Oui, donc on sortait en général assez nombreux ensemble, on prenait la voiture pour aller jusqu'à l'hôpital de Périgueux. Non, pas l'hôpital de Périgueux, non, oula, je me trompe, c'est un lapsus, jusqu'à une boîte de nuit qui n'était pas très loin de l'hôpital de Périgueux, et on est tombé sur un nid d'infirmière qui nous convenait complètement bien. Alors, moi, j'ai jamais été un dragueur, j'étais très timide, j'étais un dragueur, mais quand tu tombes sur un nid comme ça, et les autres se jettent dessus, puis toi, tu restes assis, et au bout de quelques temps, il y a forcément une qui s'ennuie et qui vient te chercher, quoi. Donc, voilà, c'était drôle. Et ton âme charitable était... Comment ? Ton âme charitable Je n'ai pas des souvenirs, c'est pas ça, donc, bon, peu importe, je ne veux pas en parler. Mais, voilà, et puis bien sûr, on boit un petit peu. Et puis à un moment, il faut rentrer parce que quand même le lendemain, on sait qu'on va tourner. Et donc, on est, j'étais parti ce jour-là, le dernier. Ils sont partis avant moi et moi, le dernier, pourquoi ? J'avais dû bavarder avec quelqu'un. Et donc, je prends ma voiture et je redémarre comme un dingue, bien sûr, comme d'habitude. Et je me retrouve rapidement derrière la petite caravane de voiture qui roulait pas trop vite. Mais comme j'étais très fatigué, que j'avais sans doute dû un peu boire, je me suis mis à rouler en automatisme, sans prêter attention, puisqu'il roulait doucement, etc. Et donc, moi, j'ai piqué du nez, je me suis endormi en syncope, sans m'en rendre compte du tout. Et donc, c'est un poteau télégraphique qui m'a réveillé, voilà. Et les autres, ils m'ont vu dans le rétroviseur, ils m'ont vu, mais on n'a rien pu faire, on a bien vu que ta voiture partait sur le côté, mais on pouvait, qu'est-ce que tu veux, bon. Donc, ils sont venus me ramasser, j'avais pas de mal, la voiture était quand même abîmée, et puis ils m'ont ramené, voilà. Et j'étais extrêmement choqué, j'étais surpris d'être choqué parce que normalement je ne suis pas attaché aux objets comme ça, une voiture, j'en ai rien à foutre. Mais bon, donc voilà, et j'étais quand même choqué. Et quelques jours après, il y a le directeur de production à la triste figure là, qui est venu me voir et qui m'a dit de façon extrêmement pompeuse, Monsieur Bonis, le producteur m'a chargé de vous dire qu'il voulait payer la réparation de votre voiture au titre que vous avez mené le bal. Je me souviens des mots, tu vois, au titre que vous avez mené le bal. Moi, je trouve ça somptueux, c'est rigolo, quoi. Ouais. Voilà. Et il l'a vraiment fait, hein. Et il avait payé la réparation de ma voiture, voilà. Ouais. Et c'est là que tu disais, effectivement. Et c'est là que je dis aussi que ça ressemble un petit peu à des bossuets. Ouais. Qu'est-ce que la vie sexuelle, sinon ce mouvement alternatif qui va de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit. Madère, là encore on a un œuf d'autruche sur la galette anniversaire des États-Unis d'Afrique. Ah, il coule, c'est donc, c'est... le poème d'André Pierre de Mandiade. D'accord. Que j'ai écouté une fois et j'ai enregistré. Pourquoi j'ai enregistré ça? Parce que ouais. Les conneries, toi, restent dans la mémoire. Deux ténias de dromadaire. Alors, là, il s'agissait d'un téléfilm. Ouais. D'un réalisateur. Je n'ai pas trouvé facile pour ma première expérience au cadre,
Il s'appelle toujours Claude Grimbert. On en a fait un deuxième avec lui. Et c'était, alors je me souviens qu'une première chose qu'il m'a dite, c'est moi, pour ce film-là, j'aimerais bien que les images soient un peu moches et que les cadres soient gênants. Je me suis dit, bon, c'est un challenge, mais pas mal, c'est peut-être ma première et dernière expérience au cadre. Bon, finalement, en fait, il voulait des choses, beaucoup d'amorces en premier plan, qui soient perturbantes, qui ne mettent pas à l'aise le spectateur, tout ça. Alors, c'était quelqu'un d'un petit peu complexe. J'ai beaucoup aimé Claude Grimbert, mais effectivement, c'est un mec très difficile à suivre. Comme chef opérateur aussi, j'étais en train de raconter des histoires. On peut parler de la mer, des choses comme ça. Il parlait à toute vitesse. Voilà. Il parlait à une vitesse. Alors, les comédiens, on regardait les comédiens quand ils leur donnaient un petit peu des indications et tout ça. On voyait leur tête se décomposer. Mais je n'ai rien compris à ce qu'il m'a demandé. C'est très intérieur. C'est un intello, c'est un littéraire. Beaucoup d'imagination, beaucoup de poésie, si tu veux. Mais ça convient pas, le cinéma, la poésie, c'est pas facile à l'attraper comme ça. Donc il a, pour raconter plusieurs histoires, dans une ridicule au cadre, justement, où il m'a demandé de faire, c'était une fliquesse, il tapait un rapport à la machine, il a mis une table en verre, la caméra sous la table, et à travers la table et à travers les touches de la machine, tu sais, qui était un doute une Royale ou une, je sais pas quoi, une Holder ou de, je sais pas quoi. Et il a fait le gros plan de la vie à travers tout ça. Moi, j'ai trouvé ça complètement ridicule. C'est complètement ridicule, d'ailleurs. Donc, je lui ai proposé de faire le contre-champ sur le texte avec l'amorce des dents. Il y a qu'à prendre un dentier, on va le mettre devant le parasoleil, et comme ça, il a compris que vous foutez de sa gueule. Arrêtez un peu ça. Eh bien, Claude Grimbert, j'ai quand même beaucoup aimé ce garçon. D'abord, parce que je voyais ses difficultés de passer de ce qu'il imaginait à ce que je vois la trivialité du cinéma, si je veux dire. Et je me souviens que dans le dernier film, c'était l'aube insolite. Eh bien, il devait y avoir dans cette histoire, ça se passe pendant la guerre, et des gens parfois se réunissaient, sans doute pour faire de la résistance, ils allaient dans une grotte, et quand ils ressortaient, ils étaient marqués. Alors comment est-ce que signifiait que ces gens-là étaient allés à la grotte? Alors si c'était de la crotte, ça serait, tu vois, c'est un petit peu ça l'idée, quoi. Ils sont allés dans la grotte et lui il voulait du bleu, donc on a imaginé qu'il y avait dans la grotte une source d'eau qui giclait un peu et qui était bleue. Et donc quand les gens qui sortaient de la grotte, ils étaient un peu salis, si tu veux. Donc par contre, comme il n'a aucune autorité, la maquilleuse avait son idée, moi, la productrice, tout le monde, c'était n'importe quoi. Donc finalement, moi, je trempais mes mains dans du bleu, et puis je filais comme ça un coup de patte, ou un coup de patte comme ça, juste pour montrer qu'il y avait comme s'il était allé dans la, pas dans la crotte, mais dans le bleu, quoi. C'est quelqu'un qui avait aucune autorité, oui, tu dis, sur le plateau, et pourtant il a une personnalité. Bien, donc ça, bien, c'était le metteur en scène. Oui, oui, c'était quand mais même. Mais c'était pas un type qui a une autorité naturelle en disant c'est comme ci, c'est comme ça. Mais au contraire, c'est toujours un petit peu. Moi, j'ai le souvenir de quelqu'un qui aimait bien souffrir un peu, qui aimait bien que les choses se fassent un peu dans la souffrance. Ça arrive, hein, qu'on rencontre. Alors, heureusement, il y a aussi tant le contraire. Il y a des gens qui aiment bien que les choses se fassent dans le plaisir, la bonne humeur. Mais ça arrive. Que lui, la couche, je pense, se faisait vraiment dans la douleur et il avait besoin de ça pour stimuler la création. Cette histoire de bleu. On n'arrivait pas avec l'assistant à la mise en scène à lui tirer les verres du nez et savoir ce qu'il voulait. Donc un jour, on l'a pris à part et on est allé sur place dans la grotte et on lui dit qu'est-ce que tu veux. Vraiment, mais comme à la police, on l'a interrogé pour savoir ce que. Au bout d'un moment, il s'est couché par terre et il s'est mis à pleurer. Ce sont des opérateurs, effectivement, moi j'étais très très souvent en contradiction avec mes collègues, en particulier sur des gens qui font systématiquement, par exemple comme font les Américains, un contre-jour. Toi, je te vois en contre-jour, là, je me suis mis de face, moi, ça ne fait pas. Mais il y a des types qui n'imaginent pas qu'on puisse filmer quelqu'un sans mettre un contre-jour. Je trouve ça complètement grotesque et destructeur. Moi, je mets un contre-jour si je suis en situation de contre-jour. Sinon, je n'en mets pas. Ou alors, si j'en mets un, c'est pour me foutre de la gueule des Américains. C'est clair, quoi. Je refuse complètement toutes ces. De même, il y a des types qui étaient à cheval sur le numéro de la pellicule, sur le numéro d'axe. J'ai travaillé avec la pellicule volée, tu sors ça des sacs, tu sais pas d'où elle vient, tu sais pas quelle année elle a été fabriquée, etc. Donc apparemment, tu as des différences de couleurs qui se sont faites avec le temps, tu vois. Après, tu demandes
au laboratoire de tout ramener ça propre, il te le ramène propre impeccable. C'est des maniaqueries d'opérateurs. Avec Pierre Zucca, je n'ai travaillé que comme assistant. Je n'ai pas eu la chance, parce qu'après, vous m'avez... Bon, avec Pierre, j'ai gardé le cadre. C'était quelqu'un... le cadre était très important, très intéressant. Parce que bon, tout son cinéma était une affaire de... Enfin, ça devrait toujours l'être, mais, mais c'était toujours un problème de point de vue. Le point de vue, le voyeurisme. Oui, Pierre m'a posé des problèmes au cadre au début parce que je sortais des idées. Il n'est pas très attentif, tu vois. Tu peux emporter, c'est t'arranger tout de suite. Sur le rapport, c'est que c'était des cinéastes commençant par Z, par la Z. C'est pas le même personnage. C'est pas le même personnage. Oui, c'est tous les opposent pratiquement. Et donc, moi, quand je suis arrivé chez les Zucca, tombé sur un type maniaque, etc., alors je te disais, quoi, tu vois. Je prenais la caméra, puis il fallait faire un panneau de bouquet à Lucchini, tu vois, tu fais un panneau de bouquet à Bocchini, à Lucchini. Et puis il m'a dit, mais ça va pas ça, parce que derrière, là, il y a un pot de fleurs, puis après, il y a l'édition originale je sais pas quelle grande édition des Métamorphoses d'Ovid. Après, tu vois, il y a d'autres choses qu'il voit, puis après, il y a une statue que j'aime beaucoup, voilà. Donc, moi, j'avais pas compris que j'ai travaillé avec un maniaque, il fallait après qu'il m'adapte sérieusement. Mais enfin, on s'est toujours bien entendu. Là, il y avait entente complète. Y compris sur la conception des plans, mais c'était disons que c'était sur ma rapidité naturelle et sa maniaquerie qui avait un petit hiatus. Ça n'a pas été des conflits, d'autant plus que j'étais d'accord sur sa conception des plans. J'étais d'accord, tu vois, c'était un type... Très souvent, tu te retrouves avec des metteurs en scène, c'est des aveugles. Oui. Tu vois, moi, je vois dans l'espace, c'est des tas de trucs qui sont complètement naturels, les profondeurs, etc. Il y a des metteurs en scène, c'est important de travailler avec des aveugles. C'est plus du tout le même métier, donc c'est là que tu dois amener, toi, beaucoup de choses. Avec Pierre, tu amènes des choses aussi, mais pas les mêmes. Ça, c'est sûr que la conception du plan, c'est pas moi qui l'amène. C'est ce qu'il veut. On avait fait tout, c'est-à-dire qu'on l'a fait marcher en arrière, puis après on la remettait en avant. Ou au contraire, on la faisait marcher en avant, c'est nous qui la remettions en arrière. Et de même pour les paroles, tu vois. Il y avait des paroles où elle parlait à l'envers et d'autres paroles on en remettait à l'envers. Et plus compliqué, je me souviens d'un exemple, elle devait dire à Arditi, à un moment donné, un élan de sa... Elle était très sincère dans son amour, elle voulait lui dire « je vous aime ». Et alors, elle disait la moitié à l'endroit parce qu'elle avait fait un effort. Et puis le reste lui échappait, donc « je vous aime », il y avait la moitié à l'endroit, la moitié à l'envers. Alors tout ça avec des miroirs dans tous les sens, c'était passionnant à faire. Pour moi, c'était vraiment étonnant. Un des plus beaux projets d'image sur lequel j'ai travaillé. Une scène magnifique avec Irina Brook et Arditi. Arditi vient dans la pièce principale là, du Savant Fou, qui était une pièce qui est faite d'après une gravure du XVIe siècle, donc avec une perspective qui n'était pas contrôlée comme à l'époque, comme maintenant. Et donc, Max Berthaud, le décorateur, a refait le décor en fausse perspective, comme la gravure. Donc, on avait le plancher n'était pas plat, il y avait des tas de trucs comme ça. Et dans cette espèce de pièce, il y avait une espèce de gros objet énorme, avec une grosse roue. Et sous cette roue, il y avait des images. Et parmi les images, il y avait l'image d'Irina Brook. Et là, il fait tourner l'image et il ne se rend pas compte que les images sont projetées sur le mur. Et donc, on voit Irina Brook, ça s'arrête. Et là, il commence à caresser le visage d'Irina Brook. Mais pendant qu'il la caresse, elle rentre subrepticement dans la pièce, va se mettre à un endroit très particulier, qui est marqué au sol par une lumière, je ne sais pas quoi. Et le visage d'Irina vient en surimpression de l'image dessinée d'Irina. Donc on voit à la fois son image et donc ça ajuste
assez précisément avec son visage, et à ce moment-là, on voit Arditi qui caresse. Et à ce moment-là, elle réagit à la caresse, etc. C'est une très grande, c'est un travail très émouvant. Je me souviens d'un tout petit détail, à un moment donné, sur un palier, il y avait un petit bout de rail courbe. Oui, ça fait rire. Et alors, oui, il est passé, il a regardé le rail, fait pouf, il a fait comme ça, et puis il a dit ça. Non, parce que les rails courbes, pour lui, oui, bon. C'était se foutre du monde, quoi. C'était vraiment de la masturbation. Ouais, une bonne diagonale bien placée, voilà, ça, c'est plus efficace. Si on commence, pourquoi on n'en fait pas des hélicoïdales, ça le faisait marrer, ça, disons, un tarabiscotage. Ouais. Mais il ne sait jamais, absolument jamais, plus à notre égard que l'égard de Zuka, quoi. Ouais. Mais il ne s'est absolument pas mêlé de mise en scène, à aucun moment il est venu dire « Ah bah tu pourrais faire comme ci ou tu pourrais faire comme ça ». Non, jamais, jamais. Et il a bien retrouvé lui et sa... son naturel humaniste, etc. Donc il a accepté ce film, sans doute avec un tarif préférentiel. Il savait très bien qu'il était là quand même, parce qu'on n'avait pas de pognon pour payer quelqu'un de plus cher. Mm-hmm. Il savait qu'on le prenait aussi, parce que sur une affiche, Maître Claude Chabrol, ça nous faisait quelqu'un de bankable, tu vois, sur un Zuka, ça nous a dit, tiens, peut-être qu'on va arriver à amener un petit peu de monde là-dessus. Et donc il a accepté très gentiment. Mais c'est pas son métier de faire le... Donc une fois sur le coup, je le voyais bien qu'il était un peu inquiet parce qu'il disait, bon j'ai accepté, c'est très gentil, puis ils vont manger très correctement. Mais est-ce que j'ai pas le droit moralement d'être mauvais et donc de desservir le film. Bon j'ai accepté, maintenant faut que j'assume. Et ça c'était pas si simple que ça pour lui. Qu'est-ce que je disais hier justement à propos de... d'Orson Welles. Ouais. Et d'Orson Welles, il a travaillé pas mal en France. Oh, c'est pas Orson Welles qui me téléphone personnellement, c'est il doit avoir du monde autour de lui à l'époque, tu vois. Donc il y a un de ses adjoints qui me téléphone à moi, Paul Bonis, et qui me dit « Bonjour Monsieur Bonis, il y a une publicité qui doit se faire à Paris avec Orson Welles. » Et on m'a demandé de vous contacter pour savoir si vous étiez libre, à telle date, etc., pour faire une publicité quand ça se bon, je tombe, alors j'ai dû. Vérifie qu'on n'est pas le 1er avril. Etc. Bon, et je lui dis, il n'y a pas de problème, je suis entièrement d'accord, moi je suis même flatté. Par contre, je lui dis, moi je ne comprends pas bien d'où ça me vient, celui-là. Il me dit, ben, moi non plus, je ne comprends pas d'où ça vient, etc. Alors on a bavardé et tout. Et on a trouvé. C'était une maison japonaise, et à l'époque, le Zidi des Bidas en folie, je crois, faisait un succès fou à Tokyo. Mm. Donc à Tokyo, il y avait plein d'affiches, de grandes affiches les Bidas en folie. Et à la bas de l'affiche, c'était marqué directeur de la photo, Paul Bonis. Donc ils ont demandé le plus grand chef opérateur français. Ils ont vu Paul Bonis, bien sûr, donc voilà, ça vient de là. Et finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'il a plus voulu voyager et ça s'est fait à New York. Ah, d'accord. Ouais. Avec le plus grand chef opérateur américain ton junior, concurrent direct. John Ford est venu nous voir. Non. Alors, ça aussi, un jour, on amène quelqu'un sur le tournage qui visitait Paris, qui était un très très vieux monsieur, et qui était un grand metteur en scène américain, c'était John Ford. Et il était un petit peu abîmé, il marchait avec un infirmier de chaque côté pour les tenir les bras. Et puis voilà, il voulait visiter un tournage français. On était là, donc c'est chez nous qu'il est venu. Il est passé vers la caméra. Et il a serré la main à tout le monde et il a dit « Ah, vous avez des belles caméras en France !» C'était une mutuelle américaine, donc il a fait toute sa carrière avec, quoi. Tu te souviens sur quel tournage c'était ? Je ne me souviens plus sur quel tournage c'était, c'est scandale. C'était un Chabrol en tout cas. C'était un Chabrol. Je me souviens d'avoir fait un plan moi-même,
parce que c'était avec un réflexe, je n'étais jamais sûr qu'elle tourne à la bonne vitesse. Donc ouais. J'ai donné un coup de moteur, j'avais dans mes bras, comme ça avec un réflexe, et j'ai donné un coup de moteur pour voir si la vitesse était bonne. Ouais. Et au-dessus, il y avait les pales de l'hélicoptère. Ouais. Ben, c'est dans le film. Moi, ce que j'aime bien, alors ça, c'est très souvent que tu rencontres ce genre de situation-là, c'est l'accident. Moi, je me souviens une fois sur une grue, comme ça, où dans le mouvement, la caméra, elle est partie, c'est-à-dire qu'elle a perdu la bulle, quoi, elle est complètement partie de travers, etc. Je me suis raccroché à ceci, à cela, enfin, le machin qui part complètement en vrille, et... T'as la marche. Là. Et là, le réalisateur dit ah, c'était formidable, etc. Mais je me suis cassé la gueule. Ah oui, mais justement, c'était très très bien. Au moment où je n'étais pas en train de cadrer, tu es en train de faire la bulle, justement. Ouais. Et il dit ah, c'est bien ça, c'est très bien ça. Et je dis, mais attendez, je suis pas en cadre.